Et bienvenue encore dans votre chaîne préférée, Professeur S. Je sais que je suis la préférée de vos chaînes. Alors, une petite définition, pardon, à la tournage, à la partie précédente. En cas où il a tel comme Zama fait l'examen, attrapage ou là, il a comme Zama a une définition ta tournage. Donc, vous allez dire quoi? Vous allez dire que c'est un procédé d'usinage par enlèvement de copeaux dans des pièces de forme cylindrique ou conique sur des machines appelées tours. On est bien d'accord. Procédé d'usinage par enlèvement de copeaux. C'est quoi les copeaux? C'est hadouk li tnahaw ki tkoun dor l machina, hadouk li tayran min la pièce. Hadouk c'est des copeaux. Donc haka chwa bach tfaw aliha bach amma en cas où on cite la phrase complète qui m'a rahi, essayez de former une phrase qui m'a rafontouma. Jusque si on dit le copeau dans le wast bach yaqoul bli hada chwiya ya'raf les termes ta fabrication mécanique. Alors, où sera le tournage? Il sera la pièce, il est d'or, l'outil sera fixe. Donc, pièce tourne, l'outil fixe. L'opération dans le tournage, où sont les opérations de tournage? Il y a dressage, chariotage, courgeage, tournage de cône, contournage. Où sera le chariotage? Le mouvement de l'outil est parallèle à l'axe de la pièce. Pour réduire le diamètre de la pièce. Je m'attends à réduire le diamètre de la pièce, maintenant on diminue la largeur de la pièce. Donc, qu'est-ce que tu as fait au tournage? Le bac est à faire des exercices qui te donnent à faire encore plus. Nous avons le docal le fraisage. Et voilà le fraisage. La définition du fraisage, je ne sais pas. Procédé d'usinage par enlèvement de copeaux. Est-ce que vous voyez que les définitions, c'est presque la même chose début à donc à fois de début, c'est bon après. On m'a indiqué avec 0,25, t'as bon à la balle ou blé, l'usinage, j'ai eu ça là, que derrière, que là. Alors, procédé d'usinage par enlèvement de copeaux, généralement utile pour les pièces de forme prismatique, où je m'attends à carré, rectangle, pentagone, l'idjet. Où il sera le fraisage, il sera que la pièce qui se déplace, mais l'outil sera fixe et tourne. Donc, la pièce se déplace, mais l'outil sera fixe, oui, dort, mais bougiche. Alors, il y a comme les types de fraisage. Les types de fraisage, il y en a 4 qui marquent tout. Alors, il y a fraise en bout. Fraise en roulant, fraise combinée, fraise à trois tailles. Fraise en bout, vous chissez la ferra, l'axe de la fraise est perpendiculaire à la surface à usiner. Combien de tailles? Ferra juste une taille. Donc l'axe de fraise, de la fraise, est perpendiculaire à la surface de la narahine usine ferra. La fraise en roulant, où je fais un, où je fais un, l'axe de la fraise est comme parallèle à la surface à usiner, à la surface de la fraise, et aussi fait un une taille barque. La fraise combinée, l'axe de la fraise perpendiculaire à la surface à usiner, et là c'est deux tailles. Bon, je me trouve de le dessin. Tu traces la surface ou tu traces la surface de ce côté-là. Donc, deux tailles. Fraise à trois tailles. L'axe de la fraise parallèle à l'axe usiné. Opération de renu. Renurage. Alors. Opération de rainurage. Donc, ferra trois tailles. Déjà, il y a fraise à trois tailles. Donc, had le côté, had ou had le hikun de ce côté, le hitraso kin jounizine. Alors, c'est bon pour les types de fraises, j'espère. Mouchandana, fraise à stène. Il y a les modes de fraises.
عندنا deux modes de coupe. Il n'existe que deux. Alors, selon le sens de rotation de la fraise, عندنا selon la direction de déplacement de la fraise, de la pièce, pardon, à usiner. Alors, qu'est un fraisage avalon ou le fraisage opposition ou l'un est le conventionnel. Alors, avalon, où est-ce que ça va faire? Le sens de rotation de la fraise et le déplacement de la pièce vont dans la même direction. Ils vont dans la même direction. Par contre, c'est le contraire, l'opposition, fraisage opposition. Le déplacement de la pièce est opposé au sens de la fraise. C'est des trucs qui t'habdo. C'est tout ce que je peux vous dire. Les lois taha aussi t'habdo. Où est-ce qu'on a fait l'eau? La vitesse d'avance. Regardez, on va dire la vitesse d'avance de la pièce. L'unité taha ou un millimètre à la minute. Donc, on a besoin de VA, Z. Est égal à wesh, est égal à NZ fois FZ fois Z. Où est-ce qu'on a NZ, où est-ce qu'on a FZ, où est-ce qu'on a Z. Le NZ, il y a la fréquence de rotation de la pièce. Bien sûr, l'unité de la fréquence de la rotation, il y a le tour par minute. Le FZ, il y a l'avance de la pièce. L'unité de la millimètre sur dent. Oui, dent, snen, oui. Le Z, c'est le nombre des dents de la fraise. Aide de la snen à la fraise. Alors, comme on a la fraise, on a de quel perçage? Alors, perçage, définition intérieure, c'est quoi? C'est un procédé d'usinage par enlèvement de copeaux. Ben, Hadi, qui consiste à réaliser des trous à l'aide d'outils coupants, qu'on appelle forêt. Alors, où est-ce que ça? Faites le perçage. Et ça, la pièce à usiner est fixe. Donc, il est fixé dans l'étang de la perceuse. Et le mouvement d'avance est obtenu soit par le déplacement de la pièce ou du forêt. Alors, la perceuse est limitée jusqu'à 13 mm du diamètre du forêt. Sinon, on perce par le fraisage ou le tournage. L'atelier mécanique... seulement un ou deux perceuses. L'atelier mécanique, c'est comme ça. Donc, il y a une définition, vous pouvez te donner un peu maintenant ou dérouler une phrase, je ne sais pas, un truc là. C'est comme ça, le perçage, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, généralement, c'est juste la définition, et tout, c'est tout. Donc, c'était une vidéo là le fraisage ou le perçage. On va voir le soudage une autre vidéo prochaine, Inch'Allah.